Hey, salut à tous, c'est Mister Jackson, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, on va s'ouvrir un duo pack Soleil et Lune Ombre Ardente avec la petite carte promo Cosmog. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'ouverture, donc je me suis dit c'était l'occasion d'en faire. Et désolé, là j'ai la voix carrément enrouée. J'ai aussi changé le plan de caméra. Donc, vous me direz en commentaire quel plan de caméra vous préférez et j'aviserai après. Donc, on va se l'ouvrir en direct et espérons avoir des bonnes cartes parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas ouvertes. D'ailleurs, ça fait longtemps mais j'ai toujours des cartes qui traînent, faut que je range. Mon bureau là, faut que je range pour la rentrée parce que c'est dans une semaine, rip les vacances. Le booster aussi. Oula, ça va, j'ai un peu tout chamboulé, donc ça on met ça là pour l'instant. On a la belle carte promo Cosmog, très jolie, on va le mettre de côté. Là on a les deux boosters. Je vais d'abord ouvrir le Toco Pisco en premier. Et après. Bon, le Ho-Ho, j'ai tout défoncé le booster. Hein. Désolée. Mais... Alors, là, il y a le Toco Pisco. Et là, le Ho-Ho. Donc, on va commencer par le Toco Pisco. Je regarde que. Voilà. Alors. On met ça de côté. Je crois que j'ai... Ouais, j'ai même loupé une génération de cartes Pokémon parce que j'ai pas... Il me semble pas que j'ai eu... que j'ai ouvert des boosters Soleil et Lune... Soleil et Lune... Enfin, voilà, la deuxième génération de Soleil et Lune. Par contre, le booster, il commence à m'énerver. Ah, enfin. Et les boosters, ils sont de plus en plus durs, hein. Alors, on va le garder, je ne l'ai pas abîmé, c'est super. Oh, je ne me rappelle plus la manip. Le code online. Alors, je crois que c'est 1, 2. Attends. Bon, on va faire 1, 2, 3, 1, 2. Et après, on va voir comment ça fait. Donc, on a un, vous voyez bien, ouais, on a un Sepiatop, Tarsal, très joli, Krabagar, les illustrations elles sont vraiment belles. Hein. Dites-moi en commentaire si vous les appréciez autant que moi. Farfuré, Venipat, ah ok, Pikachu en reverse, donc j'imagine... que c'est la rare. Ah non. Donc Pikachu en reverse. Très très belle carte. Très très belle carte je trouve. Il est un peu maigri hein, faut dire. Solarok. Corps de sortie. Orchide. Ah bah on a eu un... Ça c'est la rare. C'était... Léviator, là il y a une carte type combat. Et là une magnifique Léviator Reverse. Ok, ça commence pas mal. Alors, on va s'ouvrir le petit Ho-Ho. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose. Mais... Ah oui, on est bientôt... On est bientôt... là on est... 120 abonnés sur la chaîne, je tenais à vous remercier, c'est beaucoup, déjà quand j'ai commencé je pensais pas à faire les 100, c'est vraiment énorme et tout, je tiens à vous remercier. Pour les 150 je vais vous faire une ouverture je pense, une belle ouverture. Wouah, désolée,
Donc, c'est bon, je ne l'ai pas abîmé. Le petit code inline. Du coup, c'était comment? Mince, j'ai pas regardé. Pas doué. C'était là 1, 2, 3, 4. Bah, je vais regarder et on se retrouve après. Bon, j'avais mélangé les cartes, du coup, je m'en souviens plus. On va faire aller au hasard 1, 2, 3. Deux, trois, quatre, un, deux. Allez, on va faire ça comme ça. Parce qu'on a envie. Alors, on a feuille à joue, psystigris, caraclée, sonistrel, nounourson, énergie acier, culbutoqué, Lampérois, Guzma, Psystigris sans reverse. Oh purée, je fais au hasard et c'était bon. Ah, en rare reverse. Je fais au hasard et c'était cool. Et boule de nez en rare. Ok. Bon, on se retrouve pour le récap. À toutes. Donc, pour le récapitulatif, on a eu un Pikachu reverse. Super joli. Un Mystigrix en rare, reverse. Un boule de nez en rare. Et une magnifique Léviator. Ah non, un magnifique Léviator en rare, rare en holo. Désolé, je perds mes mots. Et le Cosmog de la promo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Et à vous abonner. Tchuss!